Billings, Montana. Billings, Montana, le lendemain. La foudre. Le gouverneur demande à déclarer la région zone sinistrée. D'accord, autorisation, attendez. Et il y a autre chose. Ici, dans le Montana, ils vivent tous de l'élevage et de leur ranch. Ils veulent savoir s'ils auront une subvention supplémentaire pour remplacer les troupeaux. On leur donnera une subvention pour reloger les sans-abri, mais ce sera à l'État de s'occuper du reste. On n'est pas là pour s'occuper du bétail. Je suis sûr qu'il en est conscient, Jack, mais la population est désespérée. Le gouverneur connaît tes bonnes relations avec le président. Il sait que tu n'hésites pas parfois à traiter les choses de façon personnelle. Oui, mais ça n'est pas parce qu'il vient d'être réélu que je vais garder ma place pendant des années. Accrochez-vous! Qu'est-ce que c'est que ça? Des turbulences! Non, là, en bas! Où ça? Là! Je vois. Le rapport disait que toute la zone sensible avait été évacuée. Il dit n'importe quoi, ton rapport! Pose l'hélicoptère! Jack, le coin est trop risqué! Je m'en fous, je t'ai dit de te poser! Observatoire national, Boulder, Colorado. Ascension régulière. 5h22. Déclinaison, moins 7 degrés. Je l'ai. Ça y est, surtout ne touche à rien, envoie le moniteur. J'en crois pas mes yeux. C'est pourtant bien elle, la comète de Fletcher. Elle ne passe que tous les 4000 ans. Cette fois, elle passe si près qu'on pourrait presque la toucher. Ça nous promet une belle fête nationale. Je vais attendre que les premières séries de photos soient développées avant de rentrer chez moi. Je reste avec toi.
Tu fais quoi pour le 4 juillet? Eh bien, une fois que la comète sera passée, je compte aller à Dallas avec Elliot voir mon père. Ah ouais? Ça devrait être sympa. Bonne nuit, Madame Baxter. Et merci. Je suis là, mon chéri. Bonsoir, maman. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça a été. Bien. Tu veux voir les premières photos qu'on a faites de la comète? Non, plutôt demain. Elles sont superbes. Dors. Maman t'aime. Moi aussi. Voici la comète de Fletcher, telle qu'elle apparaissait à 2h45 ce matin, à une distance de 6 800 000 km de la Terre. Et la revoilà sur un autre cliché qui a été pris à 3h13 ce matin. Vous remarquerez la présence de nombreux corps célestes autour d'elle, probablement des astéroïdes. Mais ce qu'il nous faut connaître, c'est leur taille exacte, leur masse, ainsi que leur matière et leur trajectoire. Il est 7h30, rendez-vous à midi. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, Max. Tous ces fragments ont l'air instables. Je crois qu'on ferait bien de prévenir Washington. Agence fédérale d'organisation de secours, Washington. Les équipes d'intervention d'urgence sont sur les lieux. Et il est trop tôt pour savoir si beaucoup d'habitations sont touchées. Salut, Jack. Salut, Pete. On a une estimation? Non, pas encore, mais ça devrait pas être trop important. T'as peut-être raison, mais je préférais que l'un de nous aille sur place. Ça te dirait? Tu te fous de moi? Non. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'ouragan Gloria. Il est encore à des centaines de kilomètres de Miami, mais si tu veux mon avis, il risque de faire pas mal de dégâts. Oui, j'écoute. Adam Marquez. Lloyd, dis donc, ça te dirait de mettre des shorts? Tu veux me confier Gloria? Ouais. Quand? Dès que possible. Ça ne marchait pas comme ça. Eh ben, maintenant, c'est comme ça. Je veux savoir de quoi il s'agit. La population a peur que cet ouragan ne brise leur vie, Lloyd. Notre présence actuellement sur les lieux est importante. Quasi primordiale. Je vois à l'instant, si vous... D'accord. Jack, une certaine McKee, elle dit être astronome à l'Observatoire National. Elle a appelé toute la matinée. Astronome? Tu sais ce qu'elle veut? Elle a peut-être perdu une étoile. Oh, bah arrêtez, elle est sérieuse. Elle dit que des astéroïdes se dirigent vers nous. Je suis sûr qu'elle est sérieuse, mais est-ce qu'elle est de bonne foi? Vérifie son pédigré, passe-la moi, je m'en occupe. Entendu. Docteur McKee, Jack Wallach, directeur de la FOMA, que puis-je pour vous? Je vous téléphone au sujet de la comète de Fletcher, qui, comme je le disais, doit passer près de la Terre cette semaine et qui semble avoir perturbé la course orbitale de plusieurs astéroïdes en traversant la ceinture astéroïdale. Tout ça est éminemment intéressant, mais où est le problème? Eh bien, comme j'essaie de l'expliquer à tout le personnel de votre agence depuis plus de 3 heures, il se pourrait que les astéroïdes subissent l'attraction terrestre et qu'ils viennent, cher monsieur, s'écraser sur la Terre. Docteur, excusez-moi, je ne suis pas un expert en astronomie, mais nous ne traitons que de problèmes précis, de situations d'urgence. Vous pouvez vous adresser à la NASA? Vous n'avez pas l'air de comprendre que la situation est préoccupante. Ce serait un nouveau Chicxulub. Un nouveau quoi? C'est un cratère gigantesque dans le Yucatan, causé par la chute d'un astéroïde de taille équivalente. On lui doit une glaciation, ainsi que l'extinction des dinosaures. Jack? Elle est crédible. Monsieur Wallach? Je suis le docteur McKee.
voilà. Enchanté. Adam Marquez, directeur à toi. Bonsoir. Ils sont encore loin, mais ils se rapprochent. Leur masse ne varie pas. Nous sommes en liaison avec des observatoires en France, en Australie et à Hawaï. Max, je te présente Jacques Wallach et Adam Marquez de la SEMA. Avant de vous voir. Marc Jensen, diplômé du MIT. Est-ce qu'il y a du nouveau? Le JPL devrait nous permettre de connaître leur structure dans l'heure qui vient. Maman, t'avais dit que je pouvais chercher des ovnis? Lui, c'est mon fils, Elliot. Salut, Elliot. Viens, Einstein, je vais traquer les ovnis avec toi. Approche. Je vais vous montrer exactement de quoi on parle. Voici un cliché pris à partir de notre grand télescope. Nous savions, bien sûr, que la comète de Fletcher passerait tout près de la Terre, à quelque chose comme 1,5 million de kilomètres. Seulement? À notre échelle, c'est loin, mais à l'échelle interplanétaire, je vous assure qu'elle nous aurait manqué de peu. Manqué de peu? Oui, de l'épaisseur d'un cheveu. La comète restera sur son orbite. En revanche, les deux plus gros astéroïdes, Hélios et en arrière-plan Eros, représentent une certaine menace. Ni l'un ni l'autre n'a stabilisé son orbite. Et ils sont bien sûr suffisamment grands pour causer des dégâts substantiels à notre planète, s'ils pénètrent dans notre atmosphère. J'ai estimé qu'à sa taille actuelle, Hélios aurait un impact équivalent à 1000 fois celui d'Hiroshima et qu'il générerait des températures 5 fois plus élevées que celles de notre Soleil. Tout serait détruit, rasé sur un rayon de 200 km du lieu d'impact. Il y aurait aussi... Il y aurait des projections de blocs de roches en fusion sur un rayon approximatif de 100 km. Donc si ce n'est pas le souffle qui nous tue, ce sera un déluge de flammes. Exactement. Eros est 10 fois plus gros qu'Hélios. Sa rencontre avec la Terre serait radicale. La race humaine aurait peu de chances de survivre. Je vous parle bien sûr des pires éventualités. Il y a 90% de chances qu'ils soient composés de gaz et de glace ou qu'ils perdent suffisamment de leur masse en pénétrant dans l'atmosphère. Ils peuvent aussi tomber dans un océan, ce qui causerait sans doute des dégâts moins importants. Je vous dis ça, mais les hypothèses sont infiniment nombreuses. Écoutez, nous, notre problème, c'est qu'il nous faut du concret, pas des hypothèses. Navré de vous interrompre, mais Hélios se rapproche toujours. Et je viens d'avoir Hawaï au téléphone. Ils parviennent à voir de tout petits astéroïdes que nous ne captons pas d'ici. Ils disent qu'il en est tombé un dans le Montana. Ça s'est passé il y a 2 jours. L'incendie. Vous vouliez du concret, en voilà, monsieur Wallach. Regarde bien, Hélios. Si sa trajectoire ne change pas, on risque de gros ennuis. Tes données sont fiables? Elles indiquent le Midwest. Ne le lâche pas. Jack. Bonjour, monsieur le président. Voici le docteur McKee. Monsieur. Docteur. Permettez-moi de vous présenter monsieur Erwin, ministre de la Défense, ainsi que notre chef d'état-major, l'amiral Jones, et enfin mon précieux porte-parole, Jim Loudon. Que pouvez-vous nous dire, docteur? Hélios semble se diriger tout droit vers le Midwest. Nos calculs démontrent que l'impact aura lieu quelque part dans les environs de Kansas City, Missouri. De combien de temps disposons-nous? Si sa vitesse reste constante, Hélios sera là dans environ 48 heures. Quant à Eros, nous ne pouvons encore rien dire. Pouvez-vous estimer l'ampleur des dommages? D'après ce que nous avons découvert grâce au JPL, l'astéroïde Hélios devrait perdre de sa masse durant son approche vers nous. Nous avons évalué le rayon de l'impact même à 6 km. Cependant, la zone sinistrée pourrait s'étendre sur un rayon de 70 à 150 km. Ce que je tiens à signaler, c'est que sur un rayon de 30 km, il n'y aura aucun survivant. Monsieur le Président, c'est une catastrophe. Monsieur, devons-nous procéder à l'évacuation? Vous voulez évacuer entièrement la métropole de Kansas City en à peine 2 jours? Mais c'est de la folie! Notre champ d'action porterait sur un rayon de 300 km. Il est question de plus de 2 millions de personnes. Je sais, c'est pourquoi il faut qu'une décision soit prise tout de suite. Mmh.
Entendu. Dites à toutes les autorités locales en place à Kansas City qu'elles peuvent compter sur le soutien actif du ministre de la Défense Irwin et sur la coopération de l'amiral Jones. Vous me tiendrez informé de l'évolution de la situation. Entendu. Mettons-nous au travail. Et Jack ? Monsieur le Président. Bonne chance. Merci, monsieur. Voilà. J'espère que tout ça est vrai. Adam, préviens nos bureaux de Kansas City que nous y serons dès que possible. Dallas, Texas. Ah, ah, je sais que ça fait mal, mais il faut vous détendre. Allez, on recommence. Essayez de vous détendre. Ça va aller, c'est tout, ça va aller. On respire un coup, ça va aller. À l'ennui, jeune homme. J'essaie de remettre son épaule en place. Elle est déboîtée. Vous croyez assister à une scène de torture? Laissez-moi voir un peu cette épaule. Dites, je sais que vous souffrez beaucoup, mais si vous pouviez essayer de vous détendre un peu, je vous promets que vous sortirez d'ici dans 2 minutes. Et voilà, ça y est. Merci. Merci du fond du cœur. Docteur, c'est la manœuvre de Cocker, page 239 du traité d'orthopédie. Jetez-y donc un œil avant de reprendre votre tournée des malades. Je vais réparer cette lacune. Merci, monsieur. La manœuvre de Cocker, voyons, tu devrais pourtant la connaître. Je peux vous laisser une petite seconde? Non, il n'y a rien qui presse. Valérie? Tu connaissais, toi, la manœuvre de Cocker? Bien sûr, je lis le traité d'orthopédie tous les soirs. Quand toi, tu dors, ça occupe. Oui, docteur Napier, j'écoute. Papa ? Ah, c'est toi, ma chérie. Comment vas-tu ? Ça pourrait aller mieux. Tu as des ennuis ? Je voudrais t'envoyer Elliot avec quelques jours d'avance. Billy, le président va faire une déclaration. Je vais donc laisser la parole au président des États-Unis. Tiens, allume la télé et regarde. Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers concitoyens, hier matin, de bonne heure, le docteur Lily McKee, directrice de l'Observatoire national, a découvert qu'un certain nombre d'astéroïdes avaient été déviés de leur trajectoire par le passage de la comète de Fletcher, et que ceci représente un véritable danger pour notre planète. Tout porte à croire que l'un de ces astéroïdes a 85% de chances d'entrer en collision avec la Terre, cela dans un délai de 48 heures. Par mesure de sécurité, nous évacuerons toute la zone susceptible de subir cet impact et qui concerne Kansas City, Missouri. Kansas City, Missouri. Ben ! Hé, Ben, téléphone ! Allô ? Ben, allume la télé, il y a un astéroïde qui fonce droit sur nous ! Hé, allume la télé, dépêche ! Car il nous appartient de rester calmes devant la menace qui pèse sur le pays et de faire preuve de bravoure. Pour ceux d'entre vous qui résident à Kansas City, nous mettons dès à présent en place plusieurs détachements de militaires et de gardes nationaux. Maman, Paul a utilisé mon vernis à ongles pour peindre son G.I. Joe. Je voulais qu'il saigne, c'est pour ça. De l'Agence fédérale d'organisation des secours. Ben, voilà. Il faut que tu rentres. J'arrive tout de suite. Que ceux qui vivent à Kansas City ou dans les communes avoisinantes observent attentivement les recommandations diffusées à la télévision. Nous vous demandons bien sûr votre coopération en veillant à ne pas encombrer les routes ni les autoroutes et en suivant nos conseils. Des gardes nationaux et des militaires seront chargés de procéder à l'évacuation des civils à partir des aires d'évacuation suivantes. Papa. La base militaire de Kansas City. Tu vois pourquoi je t'appelle ville, envoie-moi Elliot immédiatement et ne te fais pas de soucis. Chérie, je risque d'avoir tellement de travail, je pense qu'il est préférable que tu partes chez grand-père avec un peu d'avance. Et je te promets que je viendrai te rejoindre dès que ça sera fini. Maman, est-ce que l'astéroïde va vraiment faire du mal aux gens de Kansas City? Ça, on l'ignore encore. Mais on espère que tout se passera pour le mieux. Hmm?
Docteur McCool, qui a-t-il tombé au juste? Avez-vous des précisions? Pouvez-vous nous dire exactement où l'astéroïde va terminer sa course? J'en sais rien. Maman! Docteur McKee, docteur McKee, est-ce que nous allons connaître une nouvelle course? Excusez-moi, je ne sais pas, les gars. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Excusez-nous, la conférence de presse est terminée. Dès que nous en saurons davantage, nous vous tiendrons informés. Où est-ce que vous allez? J'envoie Elliot à Dallas, il faut que j'aille à l'aéroport. C'est sur notre chemin, vous voulez venir avec nous? Merci. Dès que nous en saurons un peu plus, nous vous tiendrons au courant. Entendu. Nous serons à Kansas City dans 2 heures maximum. On aura besoin de toi, Lloyd. Kansas City, air militaire d'évacuation. Nous avons divisé la ville en plusieurs secteurs. Chacun de ces secteurs est rattaché, soit au sud de Wichita, soit au nord de Lincoln. Le général est chargé de diriger les moyens militaires dont nous disposons, général. À l'extérieur du périmètre de sécurité, nous utiliserons des écoles, des motels et des tentes pour abriter les réfugiés. La Croix-Rouge et l'armée sont en train d'installer des structures médicales provisoires. On essaye de dégager la voie express en faisant prendre le bus à tout le monde. Des gardes nationaux sont postés tous les 300 mètres sur les grands axes routiers. Sachez que la police et les officiels font aussi leur part du travail. Le maire ainsi que le chef de la police locale ne cessent de répéter aux gens la marche à suivre pour être évacués de la ville. Une dernière chose, général. Il nous faudra autant d'hommes que possible pour vérifier qu'il ne reste personne ici. Pouvez-vous le faire? Affirmatif. Votre attention, s'il vous plaît. Il ne nous reste plus que 42 heures, alors je veux tout le monde au travail. Voyons, chérie, on peut pas tout emmener, il faut y aller. Oui, et quand je pense que tu ne seras même pas là dans un moment pareil, remarque, je devrais être habituée depuis le temps. Je te rejoindrai dès que je pourrai. Est-ce qu'on va tous mourir? Jamais je ne laisserai qui que ce soit te faire du mal, hein? Non. Dis-moi, bonhomme, tu vas être un grand garçon et tu vas veiller sur maman et Zoé. Mmh. J'en étais sûr. Maintenant, aide maman à faire les bagages. Je vais chercher ta sœur, on n'a pas de temps à perdre. Paul, tu as pris tes affaires? Je sais bien, chérie. Va voir dans ta chambre si tu n'as rien oublié. Dépêche-toi. Zoé! Dépêche-toi, chérie, on doit partir. Mais s'il tombe chez nous, je peux quand même pas tout laisser. Allons, chérie, on espère tous qu'en revenant, tout sera comme avant. Il nous reste notre famille, c'est tout ce qui compte. Dépêche-toi. À la voiture dans 1 minute. Mais papa! J'ai dit 1 minute. Ça va avec les valises? Oui. Zoé! Allez, viens, chérie. T'as quand même réussi à tout faire rentrer dans ton sac. Paul, on s'en va. Dépêche-toi, Zoé. Paul! On allait oublier, n'est-ce pas? Attends, chérie, je vais te le prendre. Dépêche-toi, bonhomme. Allez. Appelle-moi à la brigade dès que vous serez à Wichita. Je t'aime, Ben. Je vous aime aussi. Soyez prudente. Avis à la population. Vous devrez vous rendre immédiatement vers l'aire d'évacuation que les gardes nationaux vous inviteront. Encore 30 heures. Non, plus que 29. Ceci est un avertissement de la police de Kansas.
casseurs seront arrêtés. Police, cessez immédiatement. Cassez-le, il n'a rien fait. Ça va, la ferme. C'est lui, ça suffit. Tous les casseurs seront arrêtés sur le champ. Tiens là, toi. Main au mur, bouge pas. Dégagez la file! Dégagez la police! Oui, venez ce bus de ce côté de la voie, s'il vous plaît! Si ce bus est complet, qu'il dégage le passage! Amenez cet engin par ici, on a un bus en panne! Dépêchez-vous un peu! Danny, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Pas de problème. Peter, comment se fait-il que ce bus soit encore là? Elle insiste pour monter dans celui-là. Elle dit qu'un des membres de sa famille s'y trouve. Mais là, le bus est déjà complet. Fais-la monter. D'accord. Venez, madame. Attention à la marche. Rendu, excusez-moi. Le centre-ville se dégage, mais on est en retard sur le planning. Pourquoi? Ça devrait déjà être fini depuis 2 heures en ville. Si j'apprends qu'il y a des tirs aux flancs, je te jure qu'ils auront affaire à moi. Monsieur Wallach! Croyez-vous réellement pouvoir évacuer une ville comme Kansas City en moins de 2 jours? Je crois que nous aurons toutes les chances d'y arriver si on n'est pas interrompu toutes les 2 minutes dans notre travail par les journalistes. Excusez-moi, merci. Monsieur Wallach, s'il vous plaît. J'espère que t'as raison. Et moi donc? C'est au fond du couloir, arrêtez-moi à l'entrée! Elle est dans quelle chambre? La 246! Allez, grand-père, on s'en va tous! Non, je ne veux pas y aller! Non! Et pourquoi vous mettez dans une pièce boulot? Je ne veux pas y aller, je vois rester ici! Mais vous entendez ce que je dis, sale salopard? Je veux pas y attendez, aller. Attendez. Et la photo, ma photo. Il ne se sépare jamais de la photo de sa femme. À côté de ça, les heures de pointe, c'est le paradis. Tu peux allumer la radio, s'il te plaît, maman? Alors que les heures sont comptées, les autoroutes et les grands axes routiers de la métropole de Kansas City sont saturés par les habitants qui fuient dans la panique. 23 personnes ont été arrêtées à cette heure pour avoir brisé et pillé des vitrines dans le centre-ville où la panique et le chaos règnent. Jack Wallach, le directeur de la FEMA, persiste à dire que tant que les gens garderont leur calme, son plan d'évacuation fonctionnera. Pendant ce temps, à Boulder, dans le Colorado, Lily Mackey et son équipe de chercheurs continuent à observer la course infernale de l'astéroïde. Dallas, Texas. Contrairement à l'opinion générale, les dinosaures étaient pour la plupart des grandes créatures pacifiques qui vivaient en troupeau et prenaient soin de leurs petits. Les scientifiques s'accordent maintenant pour dire que la disparition des dinosaures se produisit il y a 65 millions d'années, lorsqu'un astéroïde de taille gigantesque entra en collision avec la Terre dans la péninsule du Yucatan. Une énorme boule de feu d'une dimension dépassant notre imagination irradia la Terre de son incroyable chaleur. Notre festin est prêt, mon petit madame. Dans l'atmosphère, obscurcir le ciel, empêchant les rayons du soleil de parvenir jusqu'à la Terre, ce qui transforma la planète en une vaste étendue gelée et désolée. C'était le début de l'ère glaciaire. Les quelques dinosaures survivants erraient désespérément en quête de nourriture. Les lacs et les rivières étaient gelés. Les arbres n'avaient plus de feu. Ces animaux magnifiques. Ils préfèrent pas qu'on regarde autre chose. Il y aura un enfer de flammes semant la destruction. Et les habitants de Kansas City doivent se battre pour leur survie aujourd'hui. Il ne reste plus à présent qu'une 20aine d'heures avant que le redoutable astéroïde Helios ne dévaste tout dans sa chute. Les terribles conséquences auxquelles nous devons nous... Dis donc, bonhomme, qu'est-ce que tu dirais de manger un sandwich et d'aller faire un tour à l'hôpital pour voir si on n'a pas besoin de nous pour soigner une épaule, une cheville ou quelque chose comme ça? D'accord. Bon. Bon, bah, allez, maintenant en route!
Allez, montez, allez. Vous n'allez quand même pas rester là à attendre le déluge, non? Venez, venez, on vous emmène, montez dans la voiture. Allez, vite. Ah. Allez, c'est parti. Dirigez-vous calmement vers les avions. C'est Raytown, qui n'en est qu'à 60. Alors concentrons nos efforts sur Raytown, car il n'est pas question que nous quittions cet endroit avant eux. Hey Jack, on nous signale que tous les abris en dur sont déjà complets. Les nouveaux réfugiés sont sous des tentes. Appelle le docteur McKay. Lily, téléphone. C'est Jack. Docteur, dites-moi que cette pagaille ne sert à rien. Rien n'a changé. L'impact doit toujours avoir lieu à 8h07 demain matin. Docteur, vous en êtes absolument certaine? Écoutez, encore une petite quinzaine d'heures et je crois qu'on sera tous fixés. On reste en contact. Par ici, dirigez-vous vers ce bus qui attend. Vous allez devoir quitter la voiture maintenant. Mais monsieur, il y a un bus qui va vous emmener. Mais... attrapez ce que vous pouvez. Maman ! Chérie, je sais que c'est dur pour moi aussi et j'ai besoin que tu sois fort. Alors, allons-y, Paul, on descend. N'emportez que le strict nécessaire. Allez, viens. Dirigez-vous vers les bus. Montez dans les bus les plus propres. Sortez vite. N'emportez que le strict nécessaire. Avancez, de gardes nationaux sont sur le chemin du retour. Il n'y a qu'une unité de pompiers qui fait une dernière tournée dans le quartier de Redtown. Quand ils seront tous à bord d'un avion, je crois qu'on aura fait du bon travail. Ouais. Regarde-moi ça, Anthony. On se croirait dans une ville fantôme. Faisons encore un dernier passage pour s'assurer qu'il n'y a plus personne. En tout cas, Karen et les enfants sont plus là. Ah.
Ça va? Ouais. Appelle le quartier général, dis-leur où on est. Je vais voir comment va l'autre gars. Quelle est votre position? On est à l'intersection entre Willow et la première. Le camion n'est plus en état de marche. Je ne sais pas encore si l'autre conducteur est blessé. Ils sont juste là. Il faudra au moins 25 minutes pour arriver sur place. Et cet avion doit partir dans un quart d'heure. On peut pas leur envoyer un hélicoptère? Non, hors de question. Excusez-moi. Jack! Jack! Jack, attends une seconde, monsieur! Va chercher la civière. Il est à Fouma, merde! Il faut qu'on décolle! Non, on reste ici, on attend déjà! Geoffrey, nous n'avons pas le choix! La population civile passe avant le reste! Allez! C'est trop tard! Allez, je t'en prie! Non! On ne peut pas le laisser là! Il se désintègre, Lily. Il se désintègre.
s'en est sorti. On a réussi à s'en sortir. Comment va-t-il ? Il est resté. Un fragment de l'astéroïde Helios s'est abattu sur le barrage de Freeman, provoquant l'inondation d'une partie de la ville de Kansas City. Pour l'instant, les officiels tentent d'évaluer l'ampleur des dégâts. Toutefois, ils s'accordent pour dire que l'évacuation a été un succès, sauvant de nombreuses vies humaines d'une mort certaine. Des milliers de personnes remercient les autorités d'avoir procédé à cette opération. La nation tout entière pousse un soupir de soulagement. Allons. Merci, Jack. Pas de quoi. Monsieur Wallach ? Oui. Le général vous demande. Là, c'est fini. Ben ! Oh ! Tu savais, je suis heureux de te voir. Où sont mes petits loups ? Viens, ma souris. Toi aussi, mon lapin. Là aussi. Je suis content de vous voir, mes chéris. On a retrouvé papa, les enfants. Papa ! Jack ! T'as fait le bon choix. Joli travail. On s'est fait un sang d'encre pour toi. Sacré farceur, tu t'en es sorti. Tout le monde s'en est sorti. Lloyd, demande au maire à quel moment on pourra commencer à rapatrier les gens chez eux, parce qu'il va falloir coordonner nos efforts avec ceux des militaires. Hé, hey Lloyd, fais preuve de diplomatie, hein. Sois gentil, tu les bouscules pas et tu me tiens au courant. Entendu. Adam ? J'ai dit aux gars de Washington de voter un fonds de soutien et de faire le maximum pour qu'il soit assez conséquent. D'accord. Maintenant, les gars, tous ces gens vont vouloir rentrer chez eux le plus tôt possible, alors évitons de promettre des délais qu'on peut pas tenir. Ça marche. Lloyd Morgan. Hé, hey, les gars, oui. N'oublions pas que tout n'est pas terminé, on a encore beaucoup de travail. C'est pour toi, Jack, le docteur McKee. Félicitations, docteur, vous aviez vu juste. Nous avons de gros problèmes. Heroes se dirige vers nous, il faut que je vous voie. L'astéroïde Heroes fait 7 km de diamètre. Il est composé à 90% de nickel solide et il fonce vers nous à la vitesse précise de 26 km secondes. Où doit-il tomber ? Il fait 7 km de large, peu importe où il tombe. Si Heroes arrive entier sur Terre, tout ce qu'il projettera dans l'atmosphère mettra des années à retomber. Le soleil sera obstrué pendant je ne sais combien de temps. La température descendra bien en dessous de zéro. Combien de temps on a de délai ? Seulement 23 heures. Les données, Lily. Merci. Il y aura plusieurs millions de morts si on ne peut pas l'arrêter. Des millions de victimes. Il est évident qu'il faut dévier Heroes ou alors le détruire entièrement. C'est la seule chance qu'il nous reste. Détruisons-le, avec nos missiles intercontinentaux, par exemple. Ils ont une portée bien trop faible pour qu'on s'en serve. Dans l'espace, ils ne seraient pas contrôlables. Mais il est possible que ce soit envisageable avec l'ABL. Excusez-moi. C'est une nouvelle arme. De l'Air Force, un missile laser. Un prototype de missile aérien conçu pour fonctionner dans notre atmosphère, mais... Je pense qu'il est possible de l'adapter de manière à ce qu'il puisse fonctionner dans l'espace. Les Russes connaissent l'existence de l'ABL. Mais la Chine risque de poser un problème. Au vu des circonstances, est-ce un risque que nous pouvons prendre ? Oui. Rendez-vous tous les deux à Cheyenne Mountain le plus vite possible, Jack. Et contactez-moi dès que vous y serez. Entendu. Cheyenne Mountain, Colorado, état-major de la défense spatiale. Jack, Dr. McKee, je suis le général Stewart, chef de l'état-major spatial. Le compte à rebours a commencé, il nous reste 15h18.
Docteur, vous serez en liaison constante avec Hawaï et l'Observatoire National. Les nouvelles données s'affichent à l'écran. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour fixer les coordonnées. Vous aurez des satellites. Deux F-16 et un F-14 sont en train d'être équipés de missiles ABL. Ils monteront jusqu'à une altitude de 20 000 mètres et ouvriront le feu simultanément. Docteur McKee, nous utiliserons vos coordonnées pour trianguler les rayons laser de manière à ce qu'ils convergent vers l'astéroïde Eros. Pourquoi trois rayons ? Ce système a été conçu pour opérer à l'intérieur de notre atmosphère. Nous ne pensons pas qu'un unique rayon soit assez puissant pour faire dévier de façon certaine Eros de son chemin. Du reste, l'efficacité de cette arme sur les distances dont il est question reste encore à prouver. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire une telle expérience, et ce n'est que lorsque nous l'aurons tenté que nous saurons si ça fonctionne. Base aérienne de Buckley, Colorado, 140e escadrille de chasse. Avion Nimitz, Hawaï. Oui, entendu. L'ouragan Gloria se rapproche avec des vents de force 8 de Homestead, à 6 heures du décollage de nos avions de chasse. On pourrait s'estimer heureux s'ils arrivent à décoller. Général ? Excusez-moi, Jack. Est-ce que ça va? La trajectoire n'est pas encore stabilisée. Et je ne sais toujours pas où il se dirige. De toute façon, en cas de collision, on ne verra plus rien pendant des heures. On ne saura pas s'il y a d'autres menaces. Vous avez les meilleures équipes de chercheurs à vos côtés. Ça compte, non? Oui. C'est vrai, je suppose que ça doit compter. Le plus important, c'est de rester concentré. Est-ce que vous êtes angoissé? Oui. Je suis même terrifié. Il faudrait être inconscient pour ne pas l'être. Base aérienne de Homestead, Floride. 482e escadrille de chasse. Était de prouver l'intérêt de ce procédé dans le domaine de la médecine autant que dans celui de la défense. Cette arme étant capable de détruire des missiles balistiques quel que soit l'endroit d'où ils soient lancés. Voilà, l'OTAN ainsi que les autres nations du monde nous ont tous signifié leur accord. L'état-major de la défense spatiale américaine sous le commandement du général Stuart dirigera une opération visant à lancer trois de ces nouveaux missiles laser sur l'astéroïde Eros avec au cœur l'espoir de le faire dévier de sa trajectoire actuelle. Il nous menace vraiment cet astéroïde ? Hélas, oui. Je laisse le soin aux différents experts de l'état-major de nous expliquer dans le détail les aspects techniques que présente l'ABL. Maintenant, messieurs les journalistes, posez-moi vos questions. Base aérienne de Buckley. Préparez-vous à répondre à l'alerte. Terminez la dernière phase de contrôle. Préparez-vous à répondre à l'alerte. Docteur Napier, j'écoute. Papa, c'est moi. Ah, comment ça va, ma chérie? Est-ce que tu crois que ça va marcher? Nous l'espérons tous. Est-ce qu'Eliott est là? Oui. Eliott? Oui. C'est maman.
Maman ? Ça va, chérie ? Est-ce qu'on va tous finir comme les dinosaures ? Non, rassure-toi, on est bien plus malins que les dinosaures. Grand-père dit que tu sais comment détourner l'astéroïde. Eh bien, si grand-père le dit... C'est probablement vrai, parce que je le connais bien, grand-père. Il ne se trompe jamais. Base aérienne de Homestead. L'ouragan Gloria gagne nos côtes avec des vents de 112 km/h, général. Docteur Mackie, les conditions météo sont trop mauvaises. Nous allons devoir suspendre l'opération. Général, si nous devons attendre encore une minute de plus, nous ne pourrons pas dévier Eros de sa course. Base aérienne d'Homestead. Bonne chance, colonel. Porte-avions. Votre attention. Nimitz. Personnel du fond d'envol, alerte, comme limite déclenchée. Préparez-vous pour le décollage. Base aérienne de Buckley. Bien reçu, Augurin. Repérez l'objectif. Bien reçu, repérage en cours. Tour de contrôle de Cheyenne. Augure 2 est en vol. Ciel clair, altitude 16 000 mètres. Toujours en progression. Bien reçu, Augure 2. Procédez au repérage de l'objectif. Augure 3, répondez. Tour de contrôle. Augure 3. Bonsoir, très mal. La liaison est très mauvaise. Augure 3, ici l'état-major spatial. Est-ce que vous nous recevez ? De l'altitude. La liaison est entrecoupée. L'appareil est pris dans de très violentes turbulences. Je répète, beaucoup de turbulences. C'est entraîné. Augure 3, contrôle. Répondez. Tour de contrôle de Cheyenne, répondez. La liaison est extrêmement mauvaise. Conditions de vol très difficiles. Altitude 12 400 mètres. Augure 3, reprenez de l'altitude. Me recevez-vous ? Contrôle, ici Augure 3, répondez. Visibilité mauvaise. Ça paraît difficile à contrôler. Beaucoup de turbulences. À 13 800 mètres, je continue à monter. Répondez. Tour de contrôle Cheyenne, répondez. Ici Augure 3. Augure 3, ici l'état-major spatial. Nous vous recevons très mal.
Tour de contrôle. Répondez. Augure 3, tour de contrôle, répondez. Rectification. Meilleure visibilité. Je crois que ça y est. Je suis passé au travers. Gloria est derrière nous. Augure 3 stabilisé. Enfin, j'ai réussi. Augure 3, ici l'état-major spatial. Repérez l'objectif. Heureux de vous entendre. Bien reçu, contrôle. Content de vous entendre aussi. Repérage enclenché. Plus que 30 secondes avant le rendez-vous. Donnez-nous les coordonnées. Max ! Les dernières données ! Elles arrivent, Lily. Docteur McKee, les coordonnées, le temps presse. Je veux bien, mais si elles ne sont pas exactes, ça ne sert à rien. Il va être trop tard, Lily. Ça y est ! Coordonnées fixées, transmettez. En position de tir. Système de téléguidage activé. Bien sûr, Augure 1. Tour de contrôle de Cheyenne, ici Augure 2. Je termine de mettre l'appareil en position de tir. Tous les instruments fonctionnent. Objectif repéré. Téléguidage enclenché. Augure 2, paré à tirer. Augure 3 en position. Objectif repéré. Système de téléguidage enclenché. 10%. Problème de dysfonctionnement. Tour de contrôle, je répète. Problème de dysfonctionnement. Système de téléguidage en panne. Je tente de réactiver le système. Téléguidage en panne. Impossible de réactiver le système. Téléguidage en panne. Cheyenne, me recevez-vous? Impossible de remettre le système de guidage en mode actif. Tour de contrôle, répondez. Tour de contrôle, je répète. Le système de téléguidage ne répond plus. Les témoins visuels indiquent que les têtes des missiles ont bougé pendant l'ascension. Je répète, les têtes des missiles ont bougé. Bien reçu, Augure 1 et 2. Surtout ne tirez pas. Retirez Augure 3 de l'intervention. Les deux autres sont toujours opérationnels, mais ils n'ont pas été entraînés de cette façon. Est-ce que deux avions suffiraient? Ils doivent se repositionner et ouvrir le feu immédiatement. Max! Envoie-moi ce que vous avez. On ne lâche pas une seconde. C'est Hawaii qui donnera les nouvelles coordonnées. Tiens, Max. Augure 1, repérage objectif annulé, en attente de nouvelles coordonnées. Augure 2, repérage annulé, je garde l'objectif à 3 heures, en attente de nouvelles coordonnées. Il va falloir jouer serré. Je vous le répète, la première tentative a échoué, mais dans moins d'une minute, les deux avions de chasse restants vont envoyer leurs missiles laser aéroportés à travers l'espace dans une dernière tentative pour détourner l'astéroïde Eros de son rendez-vous mortel avec la Terre. Pour récapituler, à quelques secondes de la fin de cet infernal suspense, notre sort ne repose plus que sur deux avions, le troisième appareil nécessaire pour trianguler l'opération ayant souffert de la fureur de l'ouragan. Lily. Nous ne sommes pas prêts. Donnez-nous ce que vous avez. Allez-y. Coordonnées fixées. Augure 1 et 2, rejoignez vos positions. Bien reçu, contrôle. Ici, Augure 1. L'appareil est en position de tir. Bien reçu, contrôle. Ici, Augure 2. Objectif repéré, appareil en position. Accroché. Augure 1, objectif accroché. Paré à tirer. Augure 2 en position. Cible accrochée. Paré à tirer. Et feu! Augure 1, ABL lancé. Augure 2, ABL lancé. Objectif atteint. Ça a marché. Ça a réellement fonctionné. Ah.
Beau travail, général. Autant pour vous. Bravo, général. Merci. Félicitations, docteur. Vous menez 2 à 0. Bravo, merci. J'espère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers concitoyens, je viens d'être informé par le général Stuart que les missiles laser de nos avions de chasse ont atteint leur objectif et que l'astéroïde a été entièrement détruit. Réjouissons-nous que cette mission ait été accomplie avec succès. Laissez-moi vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fête nationale. Merci. Merci beaucoup. Barbecue alors, vous n'avez pas faim? S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Mais bon, allez-y, ouais. Faites attention. Vous avez des enfants adorables. Merci. Et toi, quand est-ce que tu te maries? J'attends la femme idéale, mais un jour je la trouverai. Ouais. Il faudrait déjà que tu cherches. Et passons à table, j'ai faim. C'est parti. Eh. Et maintenant, vous faites quoi? Eh bien, le président m'a ordonné de prendre 2 jours de congé. Vous les méritez. Je suis pas le genre de type qui raffole des vacances. Le travail avant tout. Oui. Vous savez, à Dallas, on a un grand sens de l'hospitalité et on est bon vivant. Ah oui, c'est vrai? J'ai éveillé un doute. Non, non, non. Vous êtes digne de confiance. Serait-ce une invitation? Nous faisons les meilleurs barbecues de tout le Texas. Pas vrai? Si. Vous voulez bien nous excuser? Il y a quelque chose là-bas qui devrait sûrement plaire à Elliot. Viens voir, Elliot. Tu sais ce qui me plaît bien. Tu nous as flanqué une de ces fosses. J'ai jamais compris pourquoi tu as voulu devenir astronome. Parce que moi, j'aurais voulu que tu sois médecin comme moi. Que tu sauves des vies humaines, que tu soulages des souffrances. Un métier noble. Mais laisse-moi terminer. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'as que 29 ans et tu as déjà probablement sauvé plus de vies humaines que n'importe qui sur cette planète. Sauf peut-être Superman. Ta mère aurait été très fière de toi. Si tu savais comme je suis heureux. Maman, grand-père.
Jack m'a offert. Il est magnifique. Il est super. Je suis très fière de toi. Grand-père m'a dit que tu avais été très courageux. Merci, maman. Mais c'est tout naturel. Tu vas rester? Bien sûr, où veux-tu que j'aille? Et dans 2 jours, on sera tous les 2 chez nous. Bonne nuit, chérie. C'est sans doute l'heure que je préfère. C'est magnifique. C'est ici que j'ai appris à aimer les étoiles. On regardait le ciel tous les soirs avec mes parents et ils me montraient les constellations, les unes après les autres. Je crois que j'ai toujours regardé droit devant. Jamais vers le haut. Jusqu'à ces jours-ci. Moi, c'est tout ce que je sais faire. Je suis content d'être là. Moi aussi. Lily, c'est pour toi, c'est Max. Allô? Lily, on a un gros problème. Eros s'est brisé en une multitude de fragments sous l'effet de la BL. Et ils viennent droit sur nous. Qu'est-ce qu'il y a? Eros n'a pas été détruit. Il s'est seulement brisé en des milliers de fragments. Et ces milliers de fragments se dirigent vers nous. Papa, je ne veux pas y aller. Je veux rester ici avec toi et Elliot. Je sais, mais qui ira là-bas à ta place, Lily? N'importe qui d'autre. Oui, bien sûr, c'est un choix. Tu peux rester ici et veiller sur Elliot, mais est-ce que tu as pensé à son avenir, à l'avenir de la planète entière? Tu veux la laisser entre les mains de n'importe qui? Il s'est produit quelque chose. Et il faut que je parte, ça fait partie de mon travail. Mais dès que ce sera fini, approche, approche. Je te promets que... T'en vas pas, maman. J'ai grande autorité que possible. Je veux pas que tu t'en ailles. Suite à l'explosion d'Eros, des particules de différentes tailles se retrouvent sur notre orbite. La Terre va forcément les traverser. Combien de temps mettra-t-elle à les traverser? 12 heures, plus ou moins. Est-ce qu'on peut les localiser? Le monde entier les observe, la France, la Chine, tout le monde. Mais pour l'instant, ils sont soit trop petits, soit trop rapides. Ben au moins, ils sont petits. Une météorite a laissé un cratère de 800 mètres de diamètre en Arizona. La météorite elle-même ne faisait que 30 mètres de large. Combien de temps on aura pour agir si vous arrivez à en suivre un au télescope? Une demi-heure. Une heure maximum. Donc, si je comprends bien, tout ce que nous pouvons faire, une fois que l'alerte sera donnée, c'est d'attendre sagement que le ciel nous tombe sur la tête. Ben,
J'arrive tout de suite. C'était la brigade. D'autres astéroïdes viennent vers nous. On ne sait pas encore où. Oh, Ben. J'ai peur, tu sais. Je sais, chérie, écoute-moi. Va au sous-sol avec les enfants. Tu sais te servir du groupe électrogène, il y a plein d'eau et de nourriture. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas quelqu'un d'autre cette fois? Ta place est auprès de tes enfants. Chérie, il faut que j'y aille. Ça fait partie de mon travail, on a besoin de moi. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu acceptes? Ou est-ce que c'est par amour du risque? Je te jure qu'il ne m'arrivera rien. Il ne m'arrivera rien. D'accord? Oh, je t'aime, Ben. Ah, tu veux des chatouilles? Tu veux quoi? Tiens. Oh, je suis désolée. Ah, je parle bien, je viens de perdre une dent. Je t'ai fait mal. Tu veux quoi? Excuse-moi. Les météorites devraient se poursuivre durant les prochaines 24 heures. Non, attends, laisse, il se passe quelque chose. Partout dans le monde, des astronomes suivent l'évolution de ces fragments. Le mieux est de rester chez vous jusqu'à ce que cette pluie ait cessé. Des équipes de secours, la police et des structures d'urgence sont prêtes à intervenir. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh, c'est terrible. On va peut-être aller à l'hôpital. Compte pas sur moi pour sortir d'ici avant la fin de l'alerte. Ouais, mais là, c'est une situation d'urgence, c'est pas des conneries. Mathieu, on est encore que des internes. Ils disent qu'on doit rester chez nous, mais si tu veux, on va appeler l'hôpital. D'accord. Pour leur dire qu'on est là. Ouais, je crois que t'as raison. Jack Wallach vient nous apprendre que l'astéroïde n'a pas été détruit, mais qu'il s'est brisé en des milliers de fragments. Non, j'en sais rien. D'accord, merci, Max. Oui, dès que possible. Nous ne savons pas. Oui, évidemment. Si on pouvait y arriver, ce serait super. Tu peux t'en charger? Tu vas pouvoir le faire? Une seconde. Je te rappelle tout à l'heure. Ça va? Je suis inquiète pour Elliot. Je sais. Ouais. Mais qu'il soit chez son grand-père, c'est rassurant. C'est drôle, je me suis tellement forcée à m'occuper l'esprit à la mort de mon mari que je n'y avais jamais réellement pensé. Mais parfois, j'ai du mal à vivre ma solitude. J'ai également fait une croix sur ma vie privée pour mon travail. Je sais ce que c'est, croyez-moi. Si ça peut vous aider, dites-vous qu'on est deux à être dans le même cas. Wow. Regardez. On ferait mieux de rentrer. Allez, bon, dépêchons-nous. Passe le premier. Est-ce qu'on sera bien à l'abri des météorites dans le sous-sol, grand-père? Ne t'en fais pas, tout ira bien. C'est l'endroit le plus sûr de la maison. Ça n'a pas été aussi calme depuis. Ça n'a jamais été aussi calme. Le monde entier retient son souffle. J'aimerais bien que tout reste aussi tranquille. Dépêchez-vous, les enfants, dépêchez-vous! Là, très bien. Zoé, s'il te plaît, tu déroules la couverture. Maman va revenir? Bien sûr qu'elle va revenir, voyons. Elle t'aime, tu sais. Mais
Il est jamais revenu, papa. Pourtant, il m'aimait. Je sais, mais c'était différent. C'était un accident. Elliot, ta mère va revenir. Je te le promets. Tiens. En ce moment, sur tous les continents, des millions d'yeux scrutent le ciel avec angoisse. Non par crainte de l'inconnu, mais par peur du désastre. Max ? Tiens, Lily. On va essayer avec de nouvelles données. Jack ! On a relevé des impacts en Angleterre, en Chine, en Australie. Et Hawaï vient de repérer un morceau assez gros pour qu'on puisse le suivre. Il se dirigerait vers nous. Qu'est-ce qui se passe? On vient de me dire de faire sonner l'alarme. Il y a quelque chose qui s'amène sur le pays. Maman, est-ce qu'ils annoncent une tornade? Est-ce que les cailloux vont nous tomber dessus? Non, mon chéri, on est à l'abri ici. Maman, est-ce que je peux aller faire pipi? Il fait 80 mètres de diamètre. Et son point de chute? J'en sais rien. Il me le faut. J'y travaille. Erin, nous sont les résultats des mesures infrarouges. Je les attends toujours. Dis-leur de se presser, j'en ai extrêmement besoin. Non, restez où vous êtes et n'en bougez pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est pour bientôt. On a besoin de toi, Ben. Chérie, il faut que j'y aille. Oui, je vous aime tous. Ben! Nous venons de recevoir une information. Il y aurait eu un impact de météorite à l'ouest de Saskatchewan, au Canada. Les nombreuses organisations de secours présentes sur les lieux ont été littéralement submergées d'appels. La météorite Jack, s'est abattue. Ils viennent de dire que le Canada enregistre un impact. Était-ce celui-là? Non, monsieur. La menace est toujours là. Il nous reste combien de temps? Je vous le dirai dès que je le saurai. Nous n'avons pas encore la réponse à ça. Il me faut quelque chose, Lily. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il conserve sa vitesse, il entrera en collision avec les États-Unis dans 27 minutes. Monsieur le Président, j'ai une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas, Anthony? Quand je suis devant un bâtiment en feu, je sais quoi faire. Mais ces choses-là... Ces choses-là viennent s'abattre tout à coup sur nos têtes sans qu'on ait une chance de les combattre. Tu ne crois pas que c'est naturel d'avoir la trouille? Je suppose que si. Quand on a choisi de faire ce métier, il y a deux choses dont il ne faut pas manquer. L'eau et la peur. Ce sont les deux seules choses qui te sauveront la vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une crise cardiaque quelque part sur la 5e rue. Vous deux, vous venez avec moi. Messieurs, je viens d'être informé par l'Observatoire national que l'un des fragments du redoutable astéroïde Eros, s'il ne dévie pas de sa course, viendra s'abattre dans l'ouest des États-Unis dans un délai il de arrive, quelques dizaines père. De minutes. On va s'en sortir. Tous les deux, tu verras. Les consignes de sécurité qui vous ont été données. T'es un grand garçon. Devant l'imminence de l'impact, je n'ajouterai qu'une chose, c'est que je garde foi en la grandeur de notre nation et en sa solidarité. Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Veuillez rappeler ultérieurement. Par suite d'encombrement, votre appel. Adam, je m'en contrefiche. Je veux que tu rappelles les équipes rouges et bleues en service actif. Et je veux toi et Lloyd avec moi immédiatement, quel que soit le lieu d'impact. Lily, il commence à pivoter. Je ne devrais plus l'avoir à l'écran très longtemps. Est-ce que tu peux, Max? Ça y est, Lily. On a les résultats des mesures infrarouges. Acide isocyanique, nombreuses particules de matière rocheuse en orbite, condensation autour du noyau. C'est encore dense. Il va se briser en entrant dans l'atmosphère. Il y aura un choc important et des centaines d'autres, beaucoup plus légers. De quelle ampleur? Oh, suffisante pour creuser un cratère d'1 kilomètre de large.
Et cela à cause de la chaleur et des explosions sur un rayon de 8 à 15 km du cratère. Nous redoutons aussi la projection de nombreux débris qui pourraient provoquer dans leur chute des incendies sur un rayon de 150 km autour du fameux point d'impact. Il y aura des secousses sismiques autour de la zone sinistrée durant plusieurs jours, d'une magnitude allant de 5 à 6 sur l'échelle de Richter. Aussi, nous vous prions de rester chez vous et de vous éloigner de vos fenêtres. Alors que le compte à rebours continue, il ne nous reste plus qu'à attendre et à espérer. Je vous rappelle qu'un fragment du redoutable astéroïde Eros s'abattra sur l'ouest des États-Unis dans à peu près 19 minutes. Nous vous recommandons de rester chez vous et de vous préparer au pire. Je te promets qu'on est à l'abri. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Informé sur les événements tout au long de cette soirée. Ils se rapprochent, du coup, ils deviennent difficiles à suivre. L'attraction terrestre, la lune, le soleil, tout concorde à les pousser vers nous. On va les perdre. Pas maintenant, faites quelque chose. Ouais. Il est entré dans l'atmosphère, il pique à présent vers le sud. La trajectoire a dévié, elle s'écarte de la côte ouest. Oh. Cette fois, c'est fini. On l'a perdu. Envoie les dernières données, on va extrapoler. 14 degrés de déclinaison. Vitesse 7 miles, soit 11 km seconde. Masse inchangée. Le Texas. À 4 minutes du redoutable impact, on nous informe que les scientifiques donnent le Texas. Je répète, le Texas comme la zone la plus susceptible de recevoir l'astéroïde. On recommande fortement à tous les habitants de ne pas sortir de chez eux. Nous n'avons encore aucune indication permettant de préciser le lieu de la collision. Une fois de plus, nous rappelons aux habitants de la zone menacée de suivre les consignes de sécurité. Ça va révolutionner se produire. Encore une fois, nous n'avons aucune précision quant à l'endroit de l'impact. Et bien sûr, les regards du monde entier sont tournés vers nous dans cet effroyable moment, le premier de toute l'histoire de l'humanité, et dont elle va être le témoin ce soir. Si notre pays s'apprête à connaître la pire catastrophe de son histoire, le reste du monde craint quant à lui de multiples retombées. Ce sera sans doute la plus douloureuse leçon de toute l'histoire de l'humanité, une aventure humaine unique en son genre, l'occasion de dévoiler, s'il le faut, notre amour de la vie. Mais l'inévitable est déjà là. Par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Veuillez rappeler ultérieurement. Par suite d'encombrement. Ça va? Je ne peux pas les avoir. Je suis si loin d'eux. Tenez. Vous aurez le standard de la Maison Blanche. Nous pourrons vous aider. Faites le 1, puis envoie. Merci. De rien. Standard de la Maison Blanche, que puis-je faire pour vous? Est imminente et devant la gravité de la situation, nous ne pouvons que réitérer nos appels. Alors à la Ça va? Ah, chérie, c'est toi enfin. C'est vraiment le Texas? Ça en a tout l'air, oui. Ah. On pense qu'il va se briser en morceaux, mais on sait pas trop. Et vous deux, ça va? Oh, on campe sous le banc de musculation, comme quand tu étais petite et qu'il y avait des tornades. Papa, tu veux bien me passer, Elliot? Tu as fait du bon travail, chérie. Tu veux parler à ta maman? Maman? Tu viens bientôt, dis. Oui, par le premier avion, mon chéri. Je te promets. J'ai peur, maman. Tout ira très bien, chérie. Je veux juste que tu restes à côté de ton grand-père. Tu comprends? Elliot. Maman?
Elliot? Maman? Quartier général de la FMA, Washington. Quitter le sol, il pleut des météorites là-bas. Écoute, mon vieux, on n'en est pas encore à l'apocalypse. Alors envoie-moi un hélicoptère tout de suite. Tant que les conditions seront aussi risquées, c'est impossible. Et on n'a toujours pas réussi à joindre l'antenne locale de la FMA là-bas au Texas. C'est la panique partout. Ok, lance le plan de secours en milieu urbain, d'accord? Et dis aux gars de l'ESF de se rendre sur place. Il tombe des pierres à Dallas. Aucun appareil ne peut voler. Hé, hey, le ministère des Transports pourrait peut-être nous aider. Eux, ils ont forcément une logistique. Bonne idée. Ouais, déjà, lorsqu'on aura établi des moyens de communication, on pourra faire avancer les choses 100 fois plus vite. Ouais, d'accord, je m'en occupe. Et je compte sur toi pour faire tout ce que tu peux pour m'envoyer au plus vite un hélicoptère. Oui, c'est d'accord. Les enfants, est-ce que ça va? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Ne bougez pas. Zoé, allume ça, tu veux? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, chérie. Je crois que c'est Maman? Terminé. Venez, on sort d'ici. Oui. Attention au bout de verre. D'accord. Bien. Paul, donne-moi la main. Oui. Allons-y, attention. Regardez où vous mettez les pieds. Oh. Oh. Oh là là. Oh. Oh, oh non. Maman. Oh, dis donc! Oh non! Oh, oh non! Non, non, restez là, les enfants, restez là. N'entrez pas dans la cuisine. Zoé va me chercher le balai et les sacs. Et Paul, par pitié, reste où tu es. Oh. Oh. Oui, je comprends. Bien, monsieur. Il nous faut des volontaires pour Dallas. Ils ont un début d'incendie dans une réserve pétrochimique. Mais les pompiers de Dallas, qu'est-ce qu'ils font? Je crains qu'à Dallas, il n'y ait plus un seul pompier. J'y vais. J'accepte aussi. Il n'y a personne d'autre? Ouais, moi j'y vais. Moi aussi. Oui, moi aussi. D'accord, chef. On y va tous. On y va tous, chef. Ouais, merci. Allez. Et bonne chance. Ouais. Chérie, je peux pas refuser d'y aller. Ben, papa va bientôt rentrer? La FEMA a lancé un appel à toutes les équipes professionnelles de secours et tu savais quand je me suis engagé que je pourrais être appelé. Ça devrait nous prendre que 2 jours. Excuse-moi, chérie, c'est juste qu'en ce moment... Je sais. Je sais. Sois prudent, chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous très fort. Au revoir, Max. Bonne chance, Lily. À bientôt, Max. Au revoir, Lily. À bientôt, merci. Courage. Au revoir. Ah non, 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 mais sinon je n'ai pas le temps de vous parler. Reste-t-il quelque chose à Dallas? C'est ce que je verrai sur place. Voilà. Pouvez-vous nous donner la taille de la météorite? Laissez-moi passer. Attends, si c'est un hiver nucléaire. Mon fils est à Dallas. Excusez-moi. Voilà. Merci d'être venu. Ouais, pas de problème. Adam m'a demandé de te dire que je suis en triple dépassement d'horaire. On y va. Ça va aller. Ouais.
Les rapports font état pour l'instant de 3 collisions. On déplore de nombreux morts, des blessés et des disparus dans les environs de la ville de Lima, au Pérou. La chute d'une météorite au large des côtes argentines a provoqué le chaos près de la petite ville côtière de Bahía Blanca. De plus, nous avons reçu un rapport préliminaire faisant état de plusieurs centaines de morts dans l'explosion d'un immeuble à Cologne. On soupçonne une météorite de petite taille d'en être responsable. Camp d'entraînement d'Eagle Mountain, Fort Worth, Texas. Aucune nouvelle de Highland Park. Venez, c'est par là. Valérie ? Valérie ! Valérie ! Je suis là, mon cœur. Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Ça a l'air d'aller. Viens là. Ça va ? Là, c'est fini. Ça va. Ça va aller. Je suis là. On n'a rien. Allez, restons pas là. Ça va, tu peux te lever ? Allez. C'est juste mon arthrite. Ne t'en fais pas, ça va aller. Fais attention. Allons voir là-haut. Ah. Oh non. Qu'est-ce qui reste de la maison ? Oh mon Dieu. Partir par là. Bien. Voilà. C'est tout ce qui reste de la maison. J'en sais rien.
On va aller à l'hôpital. Oui, voilà ce qu'on va faire. Fais bien attention. Il y a pas de moi. Allons-en. Entraînement d'Eagle Mountain, Fort Worth, Texas. A-t-on déjà pu parvenir au point zéro ? Non. C'est pratiquement impossible. La plupart des routes sont coupées ou n'existent plus. Les organisations médicales et humanitaires sont prêtes à nous venir en aide. Mais le problème, c'est de les acheminer jusqu'ici. Le SF-1 y travaille en ce moment. La Croix-Rouge a un hôpital de campagne ici. Mais ils sont déjà submergés. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. Et à propos des incendies ? La réserve pétrochimique pourrait finir de détruire toute cette zone. Si seulement on pouvait y envoyer des avions. Lily, il y aura des retombées encore pendant environ combien de temps ? 3 à 4 heures environ pour les plus gros débris. Il y aura de la poussière et de la fumée pendant des semaines. Jack, il faut que je retrouve Elliot et mon père. Je sais. Quand on ira sur place, vous viendrez avec nous. Il faut que j'aille à Highland Park. Je vais y aller à pied. Madame, Highland Park est à 40 km d'ici en passant par le point zéro. Je crains sincèrement que ce soit impossible. Allez voir à la Croix-Rouge. Ils y sont peut-être déjà. C'est un cauchemar. Tous ces gens. Attention. Suis-moi, c'est par là. Suis-moi. Il nous faut trouver de l'eau. On en trouvera sûrement en chemin. Viens. Oh, au secours ! Venez nous aider ! Je vais voir. On dirait que quelqu'un a besoin de moi. Ne bouge pas d'ici. Oh, non ! Que quelqu'un vienne m'aider par pitié ! Madame ? Aidez mon mari ! Je suis médecin, je peux vous aider. Désolé, madame. Votre mari s'en est allé. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. J'en sais rien. On a besoin d'aide, venez ! Hé, arrêtez-vous ! Hé ! On est médecins tous les deux. On voudrait rejoindre l'hôpital. On va justement au camp de réfugiés. On a besoin de tous les médecins possibles. Allez, montez ! Merci, monsieur. Du véhicule.
Voilà, c'est tout ça. Ça ira ? Bonne chance. Grand-père, si tu t'arrives au monsieur coincé sous les ruines, c'est ça qui est arrivé à mon papa ? Eh bien, disons... Oui, c'était aussi un accident. Est-ce que maman a pleuré ? Oui, elle a pleuré. Longtemps. C'est dur de perdre un être cher. Je crois que maman est en train de nous chercher. Oui, bien sûr. J'en suis certain. Votre attention, s'il vous plaît. Les détectés, la tour Pénéliane se trouve à droite de l'entrée principale. Je répète, la tour Pénéliane se trouve à droite de l'entrée principale. Jack, est-ce que ça va ? Ah non, c'est un vrai cauchemar. Lloyd, tu vas diriger les équipes de recherche. Tu travailleras en collaboration avec le général. On a déjà 20 brigades canines qui progressent vers le point zéro. Il y en a 50 autres à venir. Jack, le véhicule est prêt. 3 unités de recherche vous accompagneront, toi et le général. Ah d'accord, bien. Attends, je veux que tu te familiarises avec notre QG. Et ensuite, je veux un rapport précis sur chacune des branches de coordination de secours. Et c'est de savoir quand elles seront opérationnelles à 100%. C'est déjà fait, les équipes militaires fonctionnent au maximum de leur capacité, la Croix-Rouge aussi. Le médical est en place, mais les transports sont extrêmement lents. J'attends des détails. Parfait, en route, général. T'as vu Lily ? Pas depuis un certain temps. Une dose de morphine, s'il vous plaît. Alerte bleue, un arrêt cardiaque ici. Une ampoule de lidocaïne. Voilà. Défibrillateur, à 360. Tiens, Mathieu. Prêt ? Une ampoule d'épiphrine, allez, vite! Mathieu, c'est trop tard. Docteur. Mathieu. C'est fini. Ça m'était encore jamais arrivé. Rouge. Personne suivante. Son nom, s'il vous plaît. Vous l'entrée principale, s'il vous plaît. Vous savez dans quel quartier Non, je ne connais pas la ville. Je suis à la recherche de mon fils et de mon père aussi. Leur nom ? Elliot McKee. Non, peut-être sous le nom de l'autre personne, s'ils sont ensemble. Et Charles Napier. Il est médecin.
Je suis désolée. Il va vous falloir revenir plus tard. On a beaucoup de mal à recenser tout le monde ici, vous savez. Je regrette. Commence à avoir soif. Ah, on doit pouvoir arranger ça. Merci. C'est par là. Jerry, le petit a soif, donne-lui à boire. Sur le terrain, il vous a cherché, mais il n'a pas pu attendre. J'ai besoin d'un véhicule. Un véhicule ? Un véhicule civil ou militaire, ce que vous avez. Il y a une autre équipe qui y va dans à peu près 2 heures. Mon père et mon fils sont là-bas. Vous entendez ? Oui, mais je ne suis pas autorisé. Je me contrefiche de vos problèmes d'autorisation. J'ai cherché dans tous les coins depuis mon arrivée. Ils ne sont pas ici. J'en suis certaine. Et je sais qu'ils ont besoin de moi. Entendu, madame. Je vais vous y conduire. Merci. Pas ici. Prévenez Jack. Allez, d'accord. Accrochez-vous. De foncer sur le secteur sud. On a deux nouvelles réserves qui menacent d'exploser. Si on n'envoie pas immédiatement quelqu'un fermer ces fichus vannes, tout va sauter. Et nous, avec... Je le sais, mais on a déjà envoyé 3 équipes là-bas. Aucune d'elles n'a pu fermer les vannes, commandant. Il fait trop chaud, c'est un véritable enfer. Je suis Ben Dodd de Kansas City. Parfait. Qu'est-ce que vous apportez ? 6 hommes, monsieur, et 22 mètres cubes d'eau. On peut essayer d'aller fermer ces fichus vannes si vous nous dites où elles se trouvent. Blaine, occupez-vous de ça. Montrez-leur où elles sont. Pourtant, je jurais que c'était plutôt par ici, mais tout a l'air si différent. On est perdu ? Hein ? Hé ! Hey, regarde un peu là-bas. Tu as toujours soif ? Allez, viens. Ah, c'est la marque que je préfère. On s'assoit un peu. Oh. Ah. Santé. Santé. Allez, viens, ne reste pas. Venez, c'est par là. Venez. On
on est si content de voir les autres. Nous avons de l'eau pour vous. Merci. Vous voyez vraiment que vous m'aimez. Merci, merci, monsieur. Ça fait plaisir. Merci. Avancez, c'est par là. Merci, merci. Venez monter. On va vous emmener au camp de réfugiés. Ça va aller? On est là pour vous aider. Venez, montez. C'est bon. Parfait, allons-y. En route. Pourquoi est-ce que l'astéroïde est tombé sur nous? J'en sais rien, Elliot. C'est arrivé, c'est tout. C'est la faute de personne, tu sais. Nos chemins se sont juste croisés. Le plus important maintenant, c'est que nous soyons ensemble. Nous ne soyons pas blessés. Tu crois que maman va nous retrouver? Oui, j'en suis certain. C'était ton hôpital, grand-père? Oui. Me semble. Par là. Occupez-vous d'elle.
elle était habillée. Oui, elle était en jogging. Prenez bien ce modèle. Tout de suite. Bien. Doucement. Je suis médecin, je viens de soigner. Allons, allons, c'est fini, ma puce, arrête de pleurer. Tentez de soulager un peu les souffrances. C'est vraiment tout ce que nous pouvons faire. C'est déjà ça. On attend l'arrivée de 10 brigades canines supplémentaires d'ici demain matin au plus tard, en plus de 2 unités de secours aux blessés qui arrivent d'Oklahoma. D'accord, merci Lloyd. Est-ce que je dois faire venir des structures placées en arrière-garde ou tu préfères attendre ? Jack ? Jack, est-ce que ça va ? J'aurais jamais cru qu'une telle catastrophe soit possible. On aimerait les aider, mais ils sont trop nombreux. Tu as déjà aidé plus de monde que n'importe qui d'autre. C'est pas suffisant. Jack, t'es fatigué. T'es sollicité par tout le monde et tu fais 10 choses à la fois. Tu te souviens quand t'es arrivé à l'agence? J'étais sur le point de tout plaquer. Mais tu m'as remis les idées en place. En disant qu'on formerait une excellente équipe. Est-ce que tu te rappelles? Tu as su me remotiver ce jour-là. Alors c'est à mon tour de raviver le feu sacré. J'ai essayé de retrouver Lily. Le sergent Timmerman est avec elle à la recherche de son fils. Quoi ? Delta 19, Delta 19, répondez, à vous. Ici Delta 19, à vous. Delta 19, est-ce que le docteur McKay est avec vous? C'est Jack. Jack, c'est moi. Lily, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Vous les avez retrouvés? Non, nous cherchons toujours. D'accord, mais soyez extrêmement prudents. Les hélicoptères ne devraient pas tarder à venir nous soutenir. Alors, en cas de besoin, on arrive tout de suite. Entendu. Je vous tiendrai au courant. Bonne chance, Lily. Il ne nous reste plus que 2 heures avant la tombée de la nuit, madame. Si on les trouve pas bientôt, il va falloir rentrer à la base. Qu'est-ce que c'était ? Une conduite de gaz, je pense. Vous n'êtes pas blessé, j'espère ? Je vais bien. Camp de base, répondez, ici Delta 19, à vous. Camp de base, répondez, ici Delta 19, à vous. La radio est foutue. Il va falloir rentrer à pied au camp si on veut pas passer la nuit ici. Je suis navré, docteur McKay. Je dois continuer. Pardon? Je dois continuer, j'irai à pied. Je dois retrouver mon fils, vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de venir. Merci pour votre aide. J'ai pas l'intention de vous laisser seule, madame. Allons chercher Elliot. Grand-père ? Est-ce que ça va ?
S'il vous plaît, venez l'aider. Mon grand-père a besoin d'aide. Je n'ai plus aidé personne, Lucie. Je regrette. Oui, on fait notre possible, vous savez, chère madame. Chef ? Oui ? Vous avez des nouvelles ? J'en attends, Karen. Mais ne soyez pas inquiète, il est dans le feu de l'action. Mais il va téléphoner d'un instant à l'autre. Est-ce que je peux vous donner un coup de main ? Oui, si vous voulez répondre au téléphone, il n'arrête pas de sonner. Dites donc, les enfants, ça vous dit de venir m'aider à nettoyer ce gros camion tout sale, là-bas ? Waouh, cool ! Vous croyez qu'on peut lui redonner un peu d'allure ? Ouais ! D'accord, allons-y. Je veille sur eux. Oui, allô, les pompiers de Kansas City, oui ? Oui, allô, oui, madame. Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire quand on viendra vous secourir. Mais d'accord, je note votre adresse et j'envoie quelqu'un. Oui, très bien. Oui, poste 4. Oui, allô, Kansas. Regardez, la vanne se trouve ici sur le réservoir 1. Le problème, c'est qu'il y a 300 mètres à parcourir et personne n'a réussi à les franchir. Ouais, mais si on ne fait rien, c'est toute la raffinerie qui explose et nous, on sera les premières victimes. Vous pourriez nous couvrir avec des lances à eau ? Non, pas assez de pression. Qu'est-ce que t'en dis, Andy ? Ce qu'il le faut, allons-y. Bien, alors au travail. En chirurgie, vite! Gênez le passage. Voilà. Excusez-moi. Hé, vous croyez où, là? Je suis photographe, je fais mon métier. Vous ne voyez pas que tous ces gens souffrent? Mais si, j'en souffre. Vous êtes blessé? Non. Vous êtes médecin? Non, alors, mais... sortez de cette tente. Allez, où soyez. Au revoir, je veux juste faire dehors. Quelques photos. Mathieu. La maison de mon père. Enfin, ce qu'il en reste. Je suis navré, madame. Docteur Mackey. C'est que je vais les retrouver. Attention, attention, vous mettez les pieds. Tenez. T'es prêt ? Ouais.
Non. Allons-y. Bon courage, les gars. La nuit est tombée sur Dallas. Elle dépose un voile pudique sur le terrible drame qui a frappé la ville texane il y a à peine 24 heures et qui a fait des centaines de milliers de victimes, parmi lesquelles nous déplorons plusieurs dizaines de milliers de morts. Les survivants ont tous un être cher à pleurer ou porter disparu. Les secours s'organisent avec l'aide de nombreuses brigades canines et d'aide aux blessés provenant de tout le continent. Nous attendons toujours les premières images de nos envoyés spéciaux qui se sont rendus aujourd'hui dans les rues en ruine de Dallas. Bien entendu, nous vous diffuserons ces images dès que nous en disposerons. Pendant ce temps, dans les alentours de Dallas, une réserve pétrolière en feu menace d'exploser. Écoutons notre envoyé spécial, Samantha Reese. Je vous parle en direct de Dallas, où l'incendie fait rage dans la réserve pétrolière. Et papa, c'est là-bas qu'il est ? Sur la ville, il y a maintenant 24 heures. J'ai près de moi le commandant Greg Gammons. Commandant, pouvez-vous nous donner des précisions sur la situation ? Nous avons repris le contrôle de la situation. Certains foyers persistent encore, mais le plus dur est passé. J'ai entendu dire que deux volontaires de la brigade de Kansas City sont parvenus à sauver la plus grande réserve pétrolière du pays. Oui, c'est exact. Confirmez-vous l'information selon laquelle plusieurs pompiers auraient trouvé la mort dans cette opération ? Oui, malheureusement. Il ne s'agit pas de lui. Pour leur nom que lorsque les familles auront été... Il est vivant, j'en suis sûre. Merci. Rendez-vous un peu plus tard pour plus de détails. C'était Samantha Reese, en direct de Dallas. Venez les enfants, on va à Dallas tout de suite, venez. J'aurais dû rester avec grand-père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Au secours ! Je veux deux équipes là-bas. Oui, je leur ai déjà signalé. Bien, yeah, d'accord. Il faut dire aux gens d'avancer. Ça y est, c'est fait. Merci, docteur. Maud ! Maud !
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas arrêté de jouer les brades depuis qu'il a été amené ici. Il a de grandes blessures aux yeux, il dit qu'il est aveugle. On est là. Tiens-toi sur nous. C'est bon, c'est tout droit. C'est tout droit. Où il est, Brad? Tu pourras t'asseoir. Où est-ce qu'il est, Brad? T'en fais pas, ça va aller. Tiens, c'est toi. Tourne-toi un peu. Où il est, Brad? On y est. Où il est, Brad? Il va arriver. Il sera bientôt là. Oh, Seigneur. Comment tu t'appelles? Tony. Tony Darcy. Et Brad, c'est mon frère. Il est petit encore. On était ensemble quand tout a sauté. Delta 19, ici le camp de base, répondez. Delta 19, ici le camp de base, répondez. Quelle réponse? Jack, ils ont dit qu'ils appelleraient en cas de besoin. Lloyd, signale-le aux équipes de secours qui pensent acheter un œil. Camp de base à secours 35-14, répondez. Inquiet au sujet de Lily? Tu peux le dire. Qu'on ferait mieux de rentrer à la base et voir si votre père et votre fils n'ont... Madame ! Restez là, je vais chercher de l'aide. Accroche-toi, hein, tiens bon. On va te sortir de là. On est parti chercher de l'aide, ça va aller maintenant. Elliot!
C'est par là-bas, venez, suivez-moi. On y va, les gars. C'est là. Il a perdu connaissance. Comment il s'appelle? Charles. Charles. Allez, les gars, va falloir le remonter, apporter l'équipement, je vais descendre. Allez, les gars, c'est aidez-moi bon, à nettoyer un peu le terrain. Attention, n'allez pas trop près du tout. Donnez d'accord. Doucement, doucement. Encore quelques mètres. Attention, allez-y doucement, doucement. Encore quelques mètres. Continuez, j'y suis presque. Je vais bientôt toucher le sol. D'accord. Ça y est, je suis près de lui. Fracturés, ainsi que le poignet droit. Comment ils sont vous? Vous irrégulier, il est en état de choc. Il me faut une civière. C'est des sacs. Quelque chose. Attends. Attends. Je dois te laisser. Oui, bon sang, Jack, la situation dégénère à l'entrée. Les gens trouvent qu'on ne s'occupe pas assez vite d'eux. Inutile d'embêter Jack, je vais aller leur parler. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut venir? Je vous envoie à temps. Oui, il arrive. Excusez-moi, les gars, il faut que ces gens puissent s'en aller le plus vite possible, d'accord? Je voudrais votre attention. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je réclame un peu de calme. Nous faisons de notre mieux afin de vous évacuer du site en toute sécurité et le plus vite possible. Calmez-vous. Une petite minute, vous pouvez m'expliquer à quoi vous jouez? Écoutez, nous faisons de notre mieux pour aider les victimes. Tout ce que nous vous demandons, c'est de former des files d'attente et d'être patient. Je réclame votre attention. Nous ne partirons que lorsque tout sera terminé. Nos équipes s'en iront en dernier. Si vous coopérez, les choses iront plus vite. Un truc, monsieur, mon fils a tellement attendu les secours qu'il en est mort. Jamais il aurait dû attendre si longtemps ces secours. Alors voilà, pour vos files d'attente, non. Pour vos listes. On y est presque. Avancez-le sous la lampe. Parfait. Vite, détachons les sangliers. Bien sûr, par balle. Injection d'épiphrine. Entendu. Dépêchez-vous. Son pouls est de plus en plus faible. On est en train de prépare le respirateur. On le laisse. D'accord, les gars. Massage cardiaque. Contre-compresse, vite. Faites une injection de lidocaïne. Une seule dose. Aucune pulsation. J'arrive pas à le croire. Il ne faisait que son travail. Voilà comment les gens l'ont remercié. C'est un fou, un cas isolé. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça fait longtemps que je fais ce métier. Et je sais qu'il y a bien plus de gratitude que de méchanceté au cœur des gens. Ouais, c'est vrai. On s'en sortira. On s'en sortira. Faites attention. Passez par là.
Papa. Papa. Ça va aller maintenant. Je t'adore. Je t'aime aussi. Allons-y. On peut l'amener jusqu'à Eagle Mountain, mais on en a bien pour 2 heures de route. En état est stable, il peut faire le voyage. Il faut juste qu'il ait chaud. Je reste ici. Mon fils ne doit pas être loin. Allez-y, je reste. J'enverrai quelqu'un vous chercher dès que nous serons arrivés au camp. Vous le retrouverez, madame. Je le sais. Merci, sergent. Veillez bien sur elle. Il y a eu de nombreux morts aujourd'hui. Mais grâce à vous, des millions de gens ont survécu. Allons chercher votre fils. Chez moi. Ces gens. Et ils sont tous. C'est trop dur, j'en peux plus. Comment vous appelez-vous? Alicia. Alicia. Seul, on ne peut pas sauver tout le monde. Vous pouvez me croire. J'en sais quelque chose. Aider qu'une seule personne à la fois. Vous y arriverez? J'en étais sûr. Des 14 a trouvé un véhicule militaire abandonné. Dans quel secteur? Ici. C'est surréaliste. On arrive à l'endroit de la collision. Moyen de savoir de quel côté ils sont allés. Ils sont à pied, ils peuvent être n'importe où dans un rayon de 20 km du véhicule. Général, je vais vous indiquer exactement où je les ai laissés. Oui? Jack, vous ne pouvez pas prendre l'air, c'est trop risqué. Général, si vos pilotes sont aussi bons qu'on le prétend, on y arrivera. Écoutez-moi, on a déjà eu du mal à faire venir les hélicoptères ici. Et il y a 40 km à couvrir. Je ne changerai pas d'avis. S'il le faut, j'irai à pied jusqu'au point zéro, mais je la retrouverai. Aidez-moi. Donnez-moi un hélicoptère. Entendu, mais ramenez-la.
70 millions de kilomètres pour s'écraser ici. C'est incroyable. Regardez. Elliot! 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 On est là, ne bouge pas! J'ai mal, maman, aide-moi! Accroche-toi, petit! Faites quelque chose, vous en prie! Elliot! La corde sera assez longue. Thank you.
Suis-moi, je viens te chercher. Jack! Je suis là, Elliot. D'aide. Je crois qu'il est blessé. Hey, tu sais quoi? On a retrouvé ton grand-père. Et rassure-toi, il va pouvoir être soigné. C'est vrai? Ouais, crois quoi, crois le faire. Jack! Je suis là. Écoute, je risque de gros ennuis. Il va falloir que tu m'aides. Pourquoi? Parce que si on ne sort pas de ce cratère, ta mère va me tuer. Donne-moi un coup de main. D'accord. Pas blessé? Oh mon chéri, je t'aime, je t'aime.
de rester avec grand-père. Ça va aller. J'ai tellement peur. Sophie, ça va aller. Je t'aime, maman. Merci. En direct du camp d'aide aux réfugiés de Fort Worth, dont vous apercevez une partie derrière moi. C'est ici que les gens sont soignés et abrités avant d'être évacués. Il y a le jour, un fragment du redoutable astéroïde Eros s'est abattu sur Dallas. Aujourd'hui, nous savons que ce sont près de 35 km² de cette ville dynamique qui ont été rasés par le terrible sort que la nature nous a lancé. Des gens ont perdu leur foyer, leur travail ou leur vie. Des milliers de gens sont en deuil, à la recherche de leur famille et souffrent. Ils voient leur vie brisée. Et cependant, au milieu de cette souffrance, c'est le miracle de la vie qui renaît, apportant un nouvel espoir, une nouvelle dimension à la solidarité. En dépit des heures atroces que nous avons vécues cette semaine, les scènes auxquelles nous assistons ici nous rappellent que la vie continue, que la Terre tourne et que l'humanité poursuit sa route. Papa ? Ça va ? Ouais. Grand-père ? Hein ? Oui, je ne serai jamais mieux. Et c'est grâce à ce brave petit bonhomme. Hein ? Tu vas bientôt guérir, grand-père. Bien sûr. Excusez-moi, docteur McKee. J'aimerais soigner les fractures de votre père. Il vaut mieux que vous alliez patienter dehors. Oh, non, reste avec moi, chérie. Ça va aller. Tu cries si tu as mal, hein ? Je viendrai te soutenir. Ne t'éloigne pas trop. Eh bien, c'est pas beau à voir. Jeune homme, si je me souviens bien, l'orthopédie est loin d'être votre fort, alors pourquoi ne confiez-vous pas cela ? Docteur Napier, écoutez, je suis médecin. Évidemment, si vous préférez laisser vos fractures dans cet état, c'est un choix, mais comme vous le voyez, j'ai d'autres patients qui attendent leur tour. Alors, vous me laissez faire, oui ou non ? Allez-y, docteur. Parfait. Infirmière, s'il vous plaît. Tout de suite, docteur. Il faut bien que quelqu'un vous tienne pendant que je torture. Merci de m'avoir fait confiance. Ça va mieux. Ah.
comment ça va, mon lapin? Regarde là-haut. C'est la comète de Fletcher, regardez, c'est bien elle, tu la vois là-bas. La comète de Fletcher. Est-ce qu'elle va tomber? Non, elle est là-haut pour une éternité. Et elle ne reviendra que dans 4000 ans. C'est dingue, non? C'est encore trop tôt pour moi. Ce 14 mai 1996, un astéroïde est passé à 450 000 km de la Terre. À l'échelle de l'univers, il nous a frôlés.